Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Et on se rend compte que le président sait qu'il y a des jeunes, il y a des femmes aussi qui se mobilisent pour la paix et l'évolution de ce pays. Mon souhait, c'est que les mots me manquent pour le moment. J'ai tellement d'émotions que nous en reparlerons. Mais mon souhait, c'est que l'on continue à reconnaître ceux qui travaillent réellement. Ben, sentiment de bonheur et de considération. Et d'ailleurs, je profite de votre micro pour remercier le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a bien pensé pour la deuxième fois à me décerner cette distinction honorifique. Et je continuerai à servir la République parce que la République nous observe. Et à cela, j'aimerais dire que le service rendu à la nation et notre attention particulière pour l'implication au quotidien dans nos tâches, comme cela a été dit ici, nous pousse à nous engager davantage. Et à ceux qui n'ont pas encore compris, on les interpelle à se distinguer pour que ce mérite soit aussi pour eux un jour une occasion de se faire voir aux yeux de la République qu'ils ont participé au développement, à l'intégration de tous ceux qui n'ont pas encore le sentiment ou qui n'ont pas encore l'engagement requis dans cette République.